Bon, alors faut que je vous raconte une anecdote. Là, on arrive dans le centre commercial qui est immense. Comme vous pouvez le constater, oh, ça sent bon. Et figurez-vous que en voiture, on roule sur une canette en verre, sur une bouteille en verre, et on est juste devant nos rotos. C'est fait exprès ou pas? Donc on ne sait pas, on verra. Quand on va revenir, on verra si oui ou non, eh bien, le pneu est crevé. Bon, on est à Primark. 18 euros le petit haut. Pantalon. Allez, on est à Primark, je vous montre. Regardez ce petit sac, il est à 10 euros. Et celui-là, je crois, il est à combien? 8 euros. Regardez comme c'est mignon. Petite chaussure là. Combien? 16 euros. Voilà, allez, on fait un tour. Oh, c'est un peu mes mères, hein. C'est un peu mes mères, je trouve. Ouais, franchement, c'est mémé, hein. Ces petits sacs là, c'est trop mignon, franchement. Et celui-là, regardez, 19 euros la petite botte. Alors ceux-là, ils sont trop choux. 8 euros, regardez. Il est trop mignon pour 8 euros. Franchement, il y a de quoi ranger. Hein. 8 euros. Waouh, là, on va faire Rocky. J'avais été voir une... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Et elle m'avait relooké, une relookeuse. Et elle m'avait mis un perfecto. Elle m'avait dit c'est ce qu'il me fallait. Dans mes conneries. Ah, vous avez un pull pantalon à 10 euros le pull. Regardez. J'en avais un comme ça en mouton. Hein. Ensuite, regardez, vous avez même le sac. Il a combien? À 16 euros. Vous avez comme ça et comme ça. Vous avez des super pantalons. Classe. 15 euros. Pour l'instant, je vous montre un petit peu tout. Hein. Je cherche ma meilleure amie. Oh, les pulls de Noël. Allez. C'est ça que j'ai acheté l'année dernière. C'est absolument pas chaud. Et en plus, c'est pas pratique. Parce que, ouais, c'est un genre comme ça. Ou c'est celui-là. C'est exactement celui-là. Et regardez. Super, hein, quand vous avez froid. Eh bien, vous avez intérêt à mettre vraiment ce qu'il faut. Du coup, je ne le mets jamais. Parce que malheureusement, eh bien, on ne peut pas le faire, mais franchement, on a super froid. Il faut un pull en dessous. Là, on a un gros pull de Noël. Il y a combien? Je vois même pas. 16 euros. Oh, il est cher par rapport à l'autre boutique à côté. Ça, vous avez des super chaussons. Des pulls. Combien? 16 euros, je pense. Hein. Mais ils sont chers. Hein. Pour Primark, 16 euros, ça fait cher. Là, il est très joli. 18 euros, mais il est très, très joli. Regardez. Regardez comme il est beau, celui-là. Pardon, il doit y avoir une glace. Là, vous avez des lunettes. Je ne sais même pas le prix. 12 euros. Oh, ça, ça m'intéresse parce que j'en ai acheté. Et j'ai payé 5,90 et là elles sont à 6 euros. Bon, je regarderai. Les petits rennes. Waouh! Bon, c'est dommage. Franchement, c'est dommage qu'il y a du noir. Sinon, l'idée est pas mal. Hein. Les bottes. Le petit sapin. Le gris. C'est Shrek. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Oh non, il est trop chou. J'ai envie de le prendre. 15 euros. Regardez comme il est chou. Pourquoi 1 euro? Si, si, bah vas-y, on va voir si vous trouvez un truc pour faire Noël. Oh oui, non, c'est bien.
Non, Winnie, il n'est pas au même prix, je crois. Bon, ça m'étonnerait. Si, Winnie aussi, il est à 1 euro. Non. Si. Eh, 1 euro, regardez. Eh, mais moi, je vais le prendre pour mon chat. Ah non, mais c'est trop chou. Eh, par contre, ça, en faire plutôt que d'acheter ça. Vous savez quoi, plutôt que d'acheter ça, achetez ça, ça c'est à 10 euros. Et celui-là, il est à 1 euro. Vous mettez de la pluche dedans et vous faites une petite... c'est génial celui-là. Par contre, est-ce qu'il y a des tailles? Mais alors, vous avez des petits pyjamas Mickey Mouse, comme ça, pour 17 euros. Et là, vous en avez pour 13 euros. Mais c'est quoi? C'est un pingouin. Pas mal, hein? Là, ça doit être un petit chien. On va regarder. Je sais pas ce que c'est. Un bonhomme de neige, une maison. Je sais pas. Toi, peignoir. Bien chaud. Ils sont à combien? Ceux-là, ils sont à 15 euros. Je sais pas s'il y a ma taille XL. J'aime bien cette matière. Parce que c'est chaud. Et à l'intérieur, c'est en coton. On transpire pas trop. Ben, je m'en prends d'un. Là, vous avez pour 8 euros un plaid de Marvel. Là, on arrive à la déco. On a fini les pyjamas. Franchement, il y a des trucs sympas. Hein. Je vous le dis, hein. Regardez. Bambi, 8 euros. Ça, c'est un drap, il a combien? 18 euros. Ça, c'est 16 euros, c'est un petit accoudoir, c'est trop mignon. Ça, je l'ai déjà, le coussin, comme ça, vous le connaissez, je l'ai déjà, je l'avais acheté à Disney. On avance? Regardez, trop mignon. Et ça, c'est des petites gamelles pour les animaux. Des tapis de bain. 7 euros. Waouh, des bouteilles d'eau, regardez. Trop fort. 5,50 euros. Des lunch bars. Vous mettez votre manger le midi. Ensuite, là, il faut que je trouve un cadeau. Ah, ça, c'est bien. 5 euros, la truc pique-nique. Eh, ça, c'est génial. 5 euros, regardez, pour le pique-nique. Je pourrais offrir ça à qui? Je sais pas. Mais c'est pas cher, 5 euros. Waouh, le Bouddha, il est magnifique. Oh là là, il est tout léger. Des petites robes pour les petites princesses. 18 euros. Des petits pulls à 6 euros. Trop mignon. Oh là là, regardez ça. C'est trop chou. C'est trop mignon. Hein. Regardez ça, c'est joli. Frozen. 13 euros ce petit t-shirt. Waouh. Regardez ce petit pull. Trop mignon, 12 euros. Franchement, à Primark, il y a des jolies choses. Hein. Regardez la robe pour les enfants de Noël. Les petits gants. Franchement, je ne sais pas si je peux trouver pour un petit garçon d'un an et demi. Et souvent, les petites filles, c'est toujours mignon. Alors là, je suis dans les bébés. Je sais pas ce que je fais dans les bébés, mais bon. Moi, je suis dans l'enfant là. Donc on va repartir plus par là. Allez, on va repartir. Là, je marche vite, hein, parce que on va plus aller voir les vêtements femmes. Des jolies petites choses. Voilà, là on est rayon enfant. Maintenant on est femme, quand même.
très joli. Alors ça, c'est super joli. Regardez ce pyjama. 16 euros. La veste et le pantalon, je crois. J'avais vu un joli pyjama, mais il y a que du S. Ça gère. Franchement, ça a l'air super sympa à porter. Avec un petit haut comme ça. Je suis pris ça. J'aime bien. Regardez ces petits chaussons. Moi, j'en prends pas parce que je ne les mets pas. C'est ce qui s'appelle régresser. Vous voyez? Tiens, qu'est-ce qu'il y a là dans le coin là qu'il n'y a personne? Ah, Red Bull, Chicago Bull. Non. Je vous ai pas filmé, mais tout à l'heure, on a été à Célio et il y avait des hamburgers en caleçon. Il y avait des t-shirts, des pyjamas de Carlito et McFly. Je vous dis, moi, quand je vais à Primark, j'achète que des... Vraiment, hein, j'achète que des pyjamas. Oh, j'adore les verts comme ça. Oh, j'adore, mais je ne peux pas mettre des chaussures comme ça. 10 euros. C'est mignon, hein. Mais franchement, c'est adorable. Et ça? Regardez ça, c'est trop chou, 12 euros. Franchement, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Regardez, le bonnet avec les deux trucs là, il coûte 4 euros. C'est trop mignon. Bon, je vous ai montré un petit peu tout, hein. Voilà. Ah, celui-là, il est joli, hein. Il est petit, mais il est très joli. 12 euros. Regardez comme il est super joli. Franchement, il est mignon. Mais moi, j'ai tellement de choses, je pourrais les revendre. Alors ça, par contre, c'est trop top. Alors ça... Ah, ça, je me demande si je ne vais pas en acheter une. Ah, c'est trop mignon. Comme dirait Jeanne, c'est trop d'art. Ah, il y a le chapeau aussi. Ah, il y a le chapeau. Ah non, trop fort. Regardez, il y a le chapeau qui va avec, ou alors la casquette. Franchement, la casquette, elle est trop bien. J'aime bien. J'avais dit que j'achèterais rien et total, j'achète encore plein de trucs. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Et franchement, j'ai craqué sur ça. Regardez celle-là. Non, mais regardez ça. Non, mais c'est une dinguerie. Oh, j'adore. Voilà, 3 euros, c'est parfait. Voilà, je préfère deux paires cosy. Voilà. Et... Oh non, mais c'est une dinguerie. Combien? C'est combien? Ah non, SM. Oui, ben SM. Mais non. Oh, c'est trop chou. J'adore. Mais on peut même pas les avoir. Hein. Tu vous montres? Voilà. Petit pain d'épices à l'intérieur. Regardez comme c'est mignon. Le petit village de Noël. Regardez. Là. Regardez ça si c'est chou. Petite maison en pain d'épices. Regardez, trop mignon franchement. Bon, sur ce, je vais à Kiabi. La mode à petit prix. Après, il y a New Yorker. Voilà. Là, on va à Kiabi. J'ai vu qu'il y avait un pull de Noël, pas cher du tout. Alors, 12 euros, regardez. Pour les hommes, franchement. Je sais pas si c'est pour hommes. Sinon, je sais pas. Hein. Je crois que j'aime bien cette couleur. Regardez la jupe longue. C'est la mode, hein, les trucs bananes comme ça. Les trucs en bûche. Alors. Non, j'ai pas. Oh non, regardez, c'est trop mignon.
Ah ben c'est un peu ce que je voulais. Regardez. Vous empoutouflez là-dedans, c'est un plaid capuche. Ah, vous voyez ce que c'est d'avoir des sacs comme ça? Regardez. Hop. Ben bravo. C'est bien pratique, économiquement, écologiquement, mais... €10, vous vous rendez compte? Allez, on y go, hein. Bon, ben, je vais faire une pause, là, on est à... Franchement, je vous montre, hein, c'est immense, 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 c'est Belle Épine, c'est vraiment un très très grand centre, il y en a partout. Là, je me pose, voilà. Bon, ben voilà, je clôture le vlog. Là, on est sur la route pour le retour, n'est-ce pas? Tu nous mets une petite... Non, tu peux pas nous mettre une musique parce que c'est copyright. Ben voilà, on est dans le noir. Noir, c'est noir. Il n'y a que de l'espoir. Bon, eh bien, voilà, on a fait des gros achats. Moi, j'ai dépensé... j'ai fait le cadeau pour mon petit-neveu, j'ai fait cadeau pour mon ex-mari, j'ai fait cadeau pour mon fils. J'avais déjà acheté un beau cadeau pour mon fils, mais j'ai racheté un autre cadeau pour mon fils. Je me suis acheté des sushis. J'adore les sushis. J'adore les sushis. avec Gad Elmaleh. C'est chouchou. Et donc, du coup, eh bien, écoutez, ouais, à peu près, j'ai dû dépenser 120€. Parce que j'ai été aussi à Lidl, et Lidl, je me suis trouvée, ça fait un petit moment que je la voulais, et on a eu de la chance de la voir, hein, la mini machine à coudre Pfaff, parce que c'est une très bonne marque. Et du coup, eh bien, voilà. Donc, j'ai pas mal de choses, je vous montrerai. Pour l'instant, je vais rentrer à la maison, je suis épuisée. Je sais pas si vous voyez mon make-up, mais c'est mon crayon, le crayon artiste, je l'adore, il est magnifique, il tient super bien, je l'ai payé 20€, mais je regrette absolument pas. C'est un ami, j'attends qu'il me donne l'autorisation de vous dire qui c'est, et à ce moment-là, il a une boutique, vous pourrez commander chez lui. Mais regardez comment il est super beau, c'est Studio Artiste, il est trop beau. Bon, allez, sur ce, cette fois-ci, je clôture le vlog, je vous fais... sur ce, allez, bisous, et puis je remets le masque, et portez-vous bien, et puis à demain. Allez, ciao. J'ai oublié, abonnez-vous et mettez le pouce. Allez, ciao, bye.